Incroyable! On est de retour sur Civilization après 10 minutes de chargement. Mais tout va bien, c'est normal. On commence la game. Enfin, c'est pas vraiment commencer la game, on continue notre game. Souvenez-vous, petit retour dans le temps. Nous avions attaqué Texcoco, nous avions gagné. Puis nous avions attaqué aussi l'autre ville. Voilà. Et il ne lui reste plus que Amsterdam et Tenayuka, attaqué normalement par le japonais avec qui nous sommes alliés. Mais. Sauf s'il y a une autre ville vers le bas, ce dont je doute. Nous avons donc beaucoup de villes. Nous sommes alliés évidemment à Jérusalem, dont nous sommes le suzerain. Nous avons Rome, Arétium, Puteoli, Ravenna. Et donc Texcoco, voilà, ville incroyable. Et nous étions au tour numéro 130. Je vous rappelle qu'en 250 tours, normalement, ce sera terminé. Vous vous rappelez? Bonjour monsieur, tout est 400 euros. Ça me fait plaisir de vous acheter les pains au chocolat, Jean-François Copé. Cancer Albator. C'est une TVA politisée, mais vous en faites ce que vous voulez. Bienvenue à vous sur Lazerator Télévision. Une caravelle, non. Expédition maritime, non. Logistique pour la zone industrielle, non. Subvention pour le campus, non. On va prendre ça, tiens. Génère de l'or et des ingénieurs illustres. Je n'ai pas reçu de mail. Mohamed Legit. Mais si! Mais si! Attendez! Merde, oh putain, j'ai fait quoi? Ah ouais, c'est le fameux Windows Tab. Windows Tab, c'est terrible. Ah oui, c'est vraiment toi. Ah non, je me suis trompé! Merde, attends, je me suis trompé! Attendez, il faut vraiment que je fasse un truc. Oh là là, je me suis trompé, j'avais oublié les numéros derrière. Oh là là, pardon. Alors. Oh. Voilà. Attends. Attendez. Et après, on y va. Voilà, c'est bon. C'est envoyé, ça va arriver dans 2 minutes. Excuse-moi. Je me suis trompé. Merde. Alors, c'est bon, donc on y va. On n'a pas le temps. Grenier, réparation. Je vous rappelle qu'on est sur Civ, Vitalisation. Où est cette légion? Elle est là. Bâtisseur. Bâtisseur, bâtisseur. Tu vas ici, tu construis une mine. Ensuite, toi, tour de siège. Ah oui, c'est vrai qu'il veut pas. Il veut absolument pas. Arbalétrier. Lui, il était dans la merde, je crois, non? Les arbalétriers. Catapulte. Meurt. 54. Ok, ça marche. Arbalétrier, ça avance sur la droite. Hop. Unité suivante, légion, retranchée jusqu'à guérison. Unité suivante. Ah oui, on est ici, c'est vrai. On va se mettre plutôt là. Et puis on verra si on peut tirer sur quelque chose quand ça revient. Dormir. Qu'est-ce que. Ah, les archers qui se font doumed. Putain, mais lui, il me gonfle. Il continue de me gonfler. Faire la paix, mais dégage. On va te niquer. Le japonais et moi, on va te niquer. Votre empire court tout droit à la faillite. Comment allez-vous survivre si votre dette s'accumule? Mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis à plus 23 d'income, connard. Alors attends, La Valette, 1, 7, Jérusalem, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Établir une commerciale, ah on a une quête avec Jérusalem, go! Bam! Tidadadi, route commerciale, temple 15, rempart antique 1, moulin à eau, réparation, on répare le moulin à eau, c'est parti! Tac, on a les tours automatiques qui se finissent, hein, vous inquiétez pas, tout va bien, on va aller faire, 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 miam 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 miam, aucune idée, on va aller réparer tout ça ici, bâtisseur, ah, qu'est-ce que se passe-t-il? Non c'est bon, arbalétrier, promotion! Évidemment, 5 unités, on régène. Les magnifiques qui sont là, ils vont pouvoir réavancer. Xeos s'abonne à Lazerator Télévision. Merci beaucoup, bienvenue pour ton sub. Bienvenue et merci pour ce sub. Excuse-moi. Pourquoi il peut pas avancer là? Ah, parce qu'il n'a plus assez de PM, catastrophique. Il se défend pas! Putain, il s'est attaqué par la catapulte et par Amsterdam et du coup il est mort. Merde, le japonais toujours aussi absent de la bataille. C'est insupportable. Insupportable, le japonais. Bon, l'amphithéâtre, évidemment. La caserne qui va être nécessaire. Mais en fait on va plutôt faire des légions. J'ai plutôt envie d'attaquer. Ah mais on a plus rien, mais qu'est-ce qui se passe? Si on a besoin de... oh, on a pas de chevaux. Les routes commerciales, mousquetaires, des salpêtres. On n'a pas de salpêtres. Les légions on n'a pas. Chevaliers. Ah c'est les chevaliers maintenant. Et non pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il peut pas faire de légions lui? Ah parce que c'est une autre civilisation. Mais non pas du tout. Lancier. Non mais tant pis. Tu vas faire une caserne. Obligé. Si on a envie, si t'as envie de faire le poste. Oh putain, on peut pas réparer la ferme. Tant pis, il supprime, il refera après. Cette catapulte immortelle me gonfle. En plus là on est dans les fougères, du coup dans les fougères normalement ça va être beaucoup mieux. Bababoum, voilà, fin de la catapulte. Ferme ici. Production. Rempart antique, 4 tours, c'est gratos. Ça se consolidera. Tu me gonfles. Je suis déçu. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Hein? Comme les guerriers Jap, ils sont ni bons ni mauvais. Ah ouais, mais ça c'est marrant ça.
Ah, attendez, t'en es déjà au mousquetaire. Ben ouais, on en est déjà au mousquetaire. Alors attends, air industriel, exerce une zone de contrôle. Ah, ça je sais pas ce que c'est. Puissance défensive plus 10 contre les attaques des villes. On va mettre ça. Je sais pas ce que c'est, exerce une zone de contrôle. Air industriel, c'est bon pour mettons-nous nous. Mettons-nous à genoux. Noupi du 27, bienvenue sur la Zerator Télévision, merci beaucoup pour ton sub. Château, mathématiques, voile carré, mathématiques, voile carré, mathématiques. Envoyez un émissaire. On en est où? Zanzibar, il faut qu'on possède Zanzibar. Pour ça, il faut que. Bam, là on est suzerain, c'est ça? On est suzerain des trois cités-états qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, 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 attends. Tour de siège, non. Légion, dégage. Attends, mais la ville, elle peut pas attaquer? Ah non, elle peut pas, merde. Du coup, les bâtisseurs. Ah oui, du coup, il reprend les bâtisseurs. Merde, c'est chiant. Merde, 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 merde. Ah, c'est pas grave. Sans les mathématiques, vous ne pouvez rien faire. Ah, merci pour ta réponse par mail. Il a dit, t'inquiète pas, c'est legit. Par mail. Eh ben, merci à toi, mec. Alors pour ce YouTube qui suit pas, on a eu une donation extrêmement généreuse de Mohamed Le Pen. Et comme on n'était pas sûr, on l'a renommé Mohamed Chelou dans les top donateurs. Et du coup, explication évidemment. Et du coup, on attendait. Je lui avais envoyé un mail. Il a répondu. Eh ben, écoute, bravo. Merci à toi. La culture. On avait dit qu'il fallait de la culture. Il faut un musée. Tiens, mais là, ce quartier commence à être ayant pu observer hyper huppé, une économie quoi. D'un autre type. Alors, on doit avoir des doctrines qui sont pas trop mal, non? Habitation plus 2, 3 quartiers spécialisés, ça c'est bien, parce qu'on a beaucoup de quartiers. Mais là, du coup, on n'a pas d'autre chose. Oui, bien sûr. Artiste, ingénieur, écrivain, ingénieur, c'est mieux. Général, ça me gonfle. Général, le pillage rapporte plus. Coup dans ouais, plus d'insuffisance, comment est-ce que je vais allier? Oui, pourquoi pas? Non, activité. Production. Non, plus. Attends, quoi? Puissance d'attaque de la vie. Non, de la bière. Double la vie. Non, c'est bon. Choisir les doctrines. Oui! Et là, income de 47! Incroyable! Incroyable, un discours de 47, pas du tout. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On se met devant Amsterdam, on attaque en chaîne. Qu'est-ce qu'on fait? 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 On se met là, on pille à la limite. Pira au prochain tour. Se retrancher. La ville va nous canarder, mais nous aussi. Nous aussi. Choisir un top pour y aller, j'ai des civils. J'ai des civils! Je sais même pas ce que ça fait, mais c'était cool. Peut escalader les parois des falaises. Oui. Formation tortue bien connue de la. Ah! De la Rome antique. Évidemment. Évidemment. 47 d'income, c'est pas ouf en 1400. Après, j'ai dû crier en vrai. Non, non, mais je sais bien, je sais bien. Mais c'est juste que. Attendez, oh là là, attendez, déjà. Je suis un grand casu. Et puis là, on a pas vraiment joué de manière très optimisée dans cette game. Il faut vous rappeler de comment on est parti. Hein. Un marché, ça c'est utile. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça scandaleux. Hein. Évidemment. Bon, les bâtisseurs qui sont là, on va les laisser faire, on s'en fout. Hein. Là, on va revenir. Mais en fait, non, déplaçons-nous avec la tour de siège, on va aller attaquer Amsterdam. Les archers, ils peuvent attaquer là d'ici, non? Ouais. Badaboum. Oh là là, ça commence à faire très mal. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bélier. Ça, c'est quoi? Japon. C'est la marque d'un esprit éduqué que d'être. Ouais, les japonais, hein. Les aciers, comme ça, on pourra faire la tour Eiffel. Allez, on fera la tour Eiffel, ce sera marrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Retranchez-vous jusqu'à guérison. C'est vrai qu'il nous tire dessus en chaîne. Non, c'est peut-être pas la meilleure. Non, c'est de la merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une caravelle barbare! Meurs! Punaise, quelle horreur! Qu'est-ce que. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tex Coco est attaqué, je suis pillé à l'infini! Mais où est le camp barbare? Attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils arrivent d'où? Que veulent-ils? On peut pas s'en prendre à quelqu'un d'autre? Mais il y a tellement de types là d'un coup! Merde! Oh là là, en plus mes archers se font doom! Voilà, revenez ici. Oh là là, non, attendez, ça va pas du tout là! Ça va pas du tout! Chevalier! Canon de campagne! Excellent! Expédition maritime! Non, 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 non! Caravelle! 11 tours, trop chiant! Bon, tant pis, on va attaquer hein! C'est une révolte! Mais non, c'est pas une révolte! Mais non, non, c'est pas une révolte! La population est trop mécontente, donc ils se rebellent dans les villes capturées. Ah, vous croyez? Ah, je pensais pas que ça faisait des barbares, je pensais que ça faisait autre chose. Ok, et bah rébellion alors. Cool. Génial, comment... C'est chiant. Attends, attaque à distance. Et bah barrez-vous! La révolte, on la... Oh putain, c'est pas possible. Son offre. Oh! Attendez, ah non, oui. C'est-à-dire que là, il est en mode, je te laisse quand même les deux villes. Et on fait la paix. Vous savez quoi, on va l'accepter.
Ventrix s'abonne à Lazerator Télévision, merci beaucoup. On accepte. On accepte de faire la paix, le japonais va être trop vénère. On a fait la paix mais on a gagné les deux villes. Du coup maintenant, mon empire se laissera pas surprendre. Nous voyons vos manœuvres, nous frapperons les premiers. Mes troupes ne font que passer. Ah ouais, ok, MT. Il est un peu schizo, non ? C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. On accepte la paix, en attendant on va placer nos unités et ensuite on lui explosera la gueule. Voilà. On avance là. Nous voyons vos manœuvres. Oh oh ! Mais c'est qu'il est malin ! Rempart antique. Rempart antique. Il faut absolument se retrancher. Dégage. Elle est conne, elle reste là. En plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sur rien. Jérusalem qui est là avec ses guerriers à gourdin. N'importe quoi. Texcoco, est-ce que ça va faire une route commerciale avec... ça fait une route commerciale en mode bateau. C'est quand même marrant. Hein. Pour arriver à Texcoco, là, il met 6 tours. 6 hein. tours pour faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, c'est vraiment... Ou alors c'est l'aller-retour. Ah, c'est l'aller-retour, je suis con. Vas-y, on va le faire avec Texcoco. Ça va être chouette. Personnage illustre. On a quoi? Science ou quartier. Plus que le maximum autorisé par sa population. Déclenche un Eureka pour l'imprimerie. Je crois que je l'ai déjà l'imprimerie. Science plus 500 vitesse normale pour chaque case d'une merveille naturelle ou adjacente. On en a pas. On va prendre lui. Hein. Personnage illustre. Ah, je peux choisir. On fait quoi? On le met dans Rome. Hein. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Ah oui, il fallait juste choisir direct. J'ai fait quoi? Non, j'ai choisi celui-là. Bon, j'ai rien compris. Mais admettons. Université. Non. Si. La cité interdite, sinon, mais 21 tours. Quel emmerdement. Plateforme commerciale, réparation. C'est ça qu'on devrait faire. On aurait plus de bonus. Non, mais on va pas faire ça. On va faire des ingénieurs militaires. Bon, c'est un soutien, mais... Alors, cela dit, testons le canon de campagne. Comme ça, on attaque Amsterdam au canon de campagne. Et alors là... je vous dis... La sauce. Armurerie. Donc, du coup, là, ça va être beaucoup mieux. Ah, voilà. Chevalier à l'infini. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas où il était. Quand j'ai activé son bonus de personnage illustre. Putain, quel con. Bon, le japonais, il s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rien, il a fait une ferme. Le japonais, il s'en fout. Le japonais, qu'est-ce qu'il veut? Comptoir commercial sur le chemin, ouais. Yokohama, Amsterdam, Tenayuka. C'est vrai qu'il a aussi Tenayuka. J'ai oublié, pour moi, il était en mode, il aura plus qu'une seule ville, mais en fait, pas du tout. Réparons le port, il a cassé le port. Alors là, on est combien en score? Ça doit être dégueulasse. Hein. On est en tête en scientifique, et c'est le Japon qui est en tête en culturel. En fait, ça va être bataille avec le Japon. Empire Aztec et machin. Joueur inconnu, je sais pas qui c'est. Mais je crois qu'il est mort en fait, l'autre. Oh là, on est plus suzerain de chez Zanzibar là. Ok, chevalier. Alors, chevalier, tu vas aller ici. Dans 8 tours. Allez, à toutes. Hein. À toutes. Se retrancher. Il est en paix contre Amsterdam, non? Pourquoi il fait un canon de campagne pour l'attaquer? C'est pour le surprendre. Permet de tracer des routes droites. Mais... Ouais, je sais si vous êtes mon ami. Attends. Oh là là, mais quel enfer cet endroit. Faisons des dégâts à distance. Pas des corsaires. Mais putain, j'ai plus de... Je peux faire plus de bateaux que de... Ils sont tous full life en plus. Eux, en vrai, ça me fait plus chier que ça. Putain, à distance. Ils vont tout piller, ces connards. Oh, ça va être horrible. Ouais, les chevaliers vont arriver. Les japonais qui viennent m'imposer leur religion. Waouh, on peut attaquer direct. Génial. Je vais essayer une production. Il faut plus de culture. Musée d'art. Ça va, j'ai de la fortune là, 837, ça lui plaît aux japonais. En espérant qu'ils m'attaquent pas. Armurerie. On va refaire des chevaliers. 3 tours, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Texcoco? Bah, attaque. Voilà. Oui, bah, toi aussi, attaque. T'as assez de gold pour acheter des unités en urgence. C'est vrai. C'est vrai que j'ai bien assez. Putain, lui, il convertit tout ce qui est chez moi, là. Insupportable. Bah, vas-y, attaque ça, là. Là, il me faudrait la promo, là. Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas dégueu, hein. Cité interdite.
pour la culture. 20 tours, ouais, mais bon, allez, c'est parti. Hein. Bam! Trop beau la cité interdite. J'ai vu ça IRL, j'ai eu la chance d'aller la voir. C'est, je dirais pas beau, je dirais impressionnant. En fait. Impressionnant plus que beau. Mais enfin, on ne peut pas arrêter toute la guilde des voleurs. On y passerait la journée. Terry Pratchett. Service diplomatique! Déclarer une guerre de... Ah, ça va être utile peut-être. Peut-être. Déclenche un Eureka pour deux technologies aléatoires de l'ère industrielle ou moderne. Ça tombe bien. Voilà. Donc, bonjour. Viens ici pour voir et déclenche. Tu veux quoi? Acier. Aviation. Ce n'est pas toujours le meilleur reste. Aviation. Ça, c'est quand même pas mal. Production en série. Le Fordisme! Un truc de chantier naval. Banque. Ça, c'est bien. Opérateur. Qu'est-ce que... Régène. Faire tirer dessus. Hein. Faire tirer dessus à l'infini. Hein. C'est insupportable. Alors, attends. Achetons. Oh, je pourrais acheter un canon de campagne. Dans les chevaliers. Chevalier. Attaque à distance. Vous voyez la rébellion? Vous voyez à quoi ça mène la rébellion, hein? Ah, l'ère moderne. On est content. On avance assez vite, hein. On avance assez vite, là, c'est formidable. Ouais, un phare. Un phare qu'on répare, en fait. Pas un phare qu'on fabrique. Armurerie. Chevalier, nouveau chevalier. On amène. Cataclope, cataclope. Dès que le canon de campagne est terminé, là, dans 3 tours, on envoie la sauce. Qu'est-ce que... Attends. Dégage. Dégage, j'ai dit dégage. On n'a pas tant de choses à faire que ça dans le tour, finalement. Viens ici. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Attaque à distance. Eux, ils veulent piller à l'infini, c'est quand même horrible. Hein. Quand même assez horrible. Je suis Catherine, reine mère de France. Ah merde. Je vous souhaite la bienvenue à mon royaume. J'ai grand désir et envie de découvrir tous vos secrets. Pourquoi il y a Gad Elmaleh travesti qui me parle, là? Est-ce que vous souhaitez... Donc c'est la France, alors. La France. La vraie France. Incroyable. Bon, super. La formidable France qui me parle. Génial. On est content. Là, c'est super. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Ah non, mais c'est un sketch. Pourquoi ils ont mis cette voix-là? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ouais. C'est fini, la cité interdite? Ah non, c'est annulé. Mais alors ça, y a un truc que je comprends pas avec ce jeu. C'est que là, j'avais lancé la cité interdite ici. Finalement, d'un coup, il me dit, en fait, on veut produire autre chose. C'est quoi le délire? Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un connaît, quelqu'un doit connaître. Je sais pas. Waouh! Oh, la gueule de tes... Waouh! Ah, c'est pour ça, peut-être. La gueule de mes villes! Mon pote! Tellement beautiful! Ah oui, c'est sûr que là, les chevaliers, c'est plus trop dans l'air du temps. Tu t'es fait devancer. Ah, donc quelqu'un... Ah, quelqu'un a déjà fait la merveille, du coup on peut en avoir deux dans le monde. D'accord. J'ai compris. Merci pour vos indications. Bon bah c'est cool, hein, les gratte-ciel, mais on se bat avec des chevaliers. Non mais c'est rien, c'est une reconstitution historique. Amsterdam, ils en sont où? Ouais, ouais, ils sont encore dans des cabanes en bois, ça c'est nickel. Bon, on déclare la guerre, hein. Allez, c'est parti. Ouais, ouais. Ah, merde. Ouais, 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 ouais. On est en 1600 après Jésus-Christ, hein. Les plumes sur la tête, que tu as les zips, tout ça, là, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Hein. Va falloir se réveiller, les gars. Et les gens, à cette époque, ils vont chez le coiffeur. Quoi? Vous êtes stupides et bêtes, votre peuple doit savoir la vérité? Vous considérez comme belliciste? Mais enculé! Attends, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, le japonais, là, il va se calmer, hein. Si vous devez 100$ à la... Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Alors ça m'énerve. Le japonais qui retourne sa veste, soit parce qu'il a dû recevoir des faveurs de l'empire aztèque, des faveurs monétaires. Ça m'énerve. Hein. Alors là, vraiment, quand on est sa veste comme ça. Ah, vas-y, viens ici, toi. N'importe quoi! Culture plus 2. N'importe quoi! Jean-Paul Good. Banque 5, or plus 5. Envoyé émissaire. Putain, mais 9! Vous êtes pas sérieux, quoi. Allez, go. On est plus suzerain de Jérusalem, hein, vous avez vu ça? Lyon! C'est où, Lyon? Attends, c'est où? Ah, c'est là! La France, c'est à côté du Japon. Ah, putain. Ah, je pensais pas. Je sais que c'était plus près. De... Bon.
Tokyo. Mais c'est trop loin tout ça là. Texcoco, vas-y. Texcoco, Zanzibar. On n'a pas besoin de gold. On veut quoi? De la culture. Allez, bah Tokyo. Tokyo, Yokohama, dans la plus près. Yokohama. Yokohama. Peut-être que la deuxième fois ce sera plus court. Peut-être. Aucune idée. Aucune idée. Légion. Formidable. Viens ici. Ouais, alors, je m'en tape en fait. Comment vous dire? Qu'est-ce qui m'attaque? Le truc à gauche? Dégage! Rempart médiéval dans sa ville, une article. Zanzibar, d'accord. C'est moi qui contrôle le game. Le Mont Saint-Michel, il y a un truc qui fait de la culture, le Chicken Itza là. Évidemment. Évidemment, la diplomatie Exerator. Mais quoi? Mais attendez, on fait ce qu'on peut hein. Ah putain, mais ça on l'a attaqué? Attends. Bon bah avancez. Mais putain, c'est les bâtisseurs que je contrôlais! Insupportable! Qu'est-ce que c'est que ça? Attaque! Toi aussi, viens attaquer là, débrouille-toi. Mais putain, mais il attaque le camp! Con de canon de campagne! Bam! Eureka! Oh, le canon de campagne qui OS! Puissance de feu de l'épreuve! Et voilà, on va prendre Amsterdam au tour d'après. Votre trésor grossit de jour en jour. Les revenus confortables sont toujours appréciables, n'est-ce pas? Il y a deux secondes, il était en mode « Vous êtes le pire des gestionnaires que je n'ai jamais eu sur cette terre !» Eh, hey, vous êtes masse riche. Eh, hey, on peut s'enrichir aussi. Alors attends, en score, on est comment? Ah, voilà! En tête en scientifique, en tête en culturel. Excellent. Culture? Ouais, la France n'a pas de touristes. Ouais, bah ça, c'est con. Ça, c'est quand même très con, hein. Ça, c'est très con. Alors, putain au lit. La tour Eiffel! Combien? 83 tours. Ouais, non. Ça ira. Plus de culture ici. Voilà, ici aussi. Passe du théâtre. Ça, c'est gagné, hein. Allez! Salut, hein. Tant pis pour la route commerciale. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous êtes emparé de l'une des cités aztèques. Annexez la ville. Rendre au fondateur Amsterdam. Putain, pas con! Ça pourrait devenir une cité-état. Dommage que je l'annexe. Très bien. Donc maintenant. Maintenant! Tenayuka. Et ensuite, on attaque le japonais. Putain, il a fondé Nagoya en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pétrole. Ah, vive le pétrole. Donc toi, tu vas aller ici. Voilà, tout le monde va aller là-bas. Hein. Les bâtisseurs, ben vous. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Bâtisseurs, j'ai pas trop pillé cette terre, donc je sais pas trop quoi vous dire. Vous allez aller là, vous allez faire une. Attendez. Le traître. Non, mais je vais pas attaquer le japonais en vrai. En vrai, le japonais c'est trop mon pote. Après, je verrai de faire next turn et je gagnerai en fait. Ce sera bon. Choisir une prod. Hôtel. Ah non, il faut réparer tout là. Faut réparer toutes les merdes. Bon, le canon. Oh, mais le canon, ça va être incroyable. Il va arriver près de la ville. Parce que dites-vous que là, le canon n'a même pas participé. Votre nouvelle connaissance des cieux vous aide à mieux naviguer. Ainsi, bâtir un immense empire. L'astronomie est un passe-temps. Ouais, l'astronomie est un passe-temps. Tactique militaire, tactique scientifique, évidemment. Théorie scientifique. Grenier. Là. Unité en attente d'ordre. Putain, il reste des barbares dans le monde. Incroyable. Et bah, volez-moi les bâtisseurs. J'en veux plus. Je les rends à la nation. Charge. Tout le monde se déplace, tout ce petit monde se déplace. C'est formidable. Un diplomate est un homme qui n'oublie jamais l'anniversaire d'une femme, mais ne se rappelle jamais son âge. Ambassade permanente. C'est bon ça. Église réformée, on pourra prendre la théocratie. Je suis pas sûr que ce soit... Ah, les lumières, c'est bien. 100% de chance pour les bâtiments en campus. Non, mais pouvoir faire d'autres gouvernements, c'est toujours bien. Un hôtel. L'hôtel. Chevalier, là. Bâtisseur. Vas-y, va attaquer l'éclaireur, là. I don't know what I am doing. Tiens, vas-y, va débarquer par là. On va faire un débarquement aussi par ici. Bon, je peux passer chez mon pote la cité-état, puisqu'évidemment, c'est trop mes potes.
Régène ici, toi t'es bien. Ouais, t'es bien, tant que les autres arrivent. Toi, viens là. Ah mais ils vont se faire attaquer. Ah mais merde. Tenayuka, Amsterdam, 3 de prod, Tokyo, il faut de la culture. On est obligé de prendre de l'avance en culture, on va faire une route commerciale avec Shizuoka. Zone Indus, pour avoir un peu plus de prod. Le palais du Potala, culture 2, on le prend, allez. J'espère qu'on se fasse pas voler cette fois. Hein. Putain, c'est bientôt l'heure. Le temps passe vite quand on s'amuse. Université, Termes. Tour Eiffel, putain mais la Tour Eiffel, nid à mort. Qu'est-ce qu'on peut acheter là? Un temple, une université. 4 de science, bon le temple sert à rien. Un temple. Enfin ça sert à rien qu'on l'achète, pardon. Le temple sert à rien et le mec le construit. Ah ouais, je sais bien. C'est quoi les bâtisseurs, vous avez qu'à venir ici. Vu qu'après cette ville va être à nous. Toi régène jusqu'à truc comme ça, ça occupe la ville. Tu vas te tirer dessus. Ouais, toi viens là. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, voilà, que les barbares prennent mon bâtisseur, je leur donne. Oh là là, merde. Attends. On va acheter. Non, pas une caravelle, une... Putain, un cuirassé, quoi. Brûlure du naval, attaque à distance, le corsaire. Attaque. Les barbares dans le caravelle. Moi, j'ai un corsaire, c'est genre. Oh, merde. Attention de pas boucher les chemins, hein, quand même. La Légion, que je commande. Avec la tour de siège. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en garnison, tous les deux. Ils sont liés. Comme les deux doigts de la main. Ah, du bouddhisme chez moi. Y'a pas de soucis, j'avais déjà dit qu'ils étaient autorisés. Ah merde. Ah d'ici on peut pas tirer mais de là on pourra. C'est ça top. Ah oui bah oui c'est. Ah oui c'est coincé. C'est coincé Sidi. Ah non, faudrait plutôt se mettre ici dans les fougères. C'est pas vrai, vous allez le prendre ce bâtisseur là. C'est pas possible. Mets-toi là. Les chevals. Alors les chevals. Mais bon elle est là les chevals. Voilà, dégage. Boum! Oh là là, les dégâts! Les dégâts du corsaire! Le mec dans le chat qui a dit. Vous me dites que les streams de WoW c'est difficile à comprendre après ça? Bah t'es mort. Contaras. Hop! Alberto Contaras. Alors. Oh, c'est pas vrai! Moi je poursuis l'éclaireur avec mon. Non mais lui il faut qu'il arrête. Hein. Tu veux pas supprimer l'unité? Préparation de la plateforme commerciale, j'aurais dû le faire bien avant cela. Bâtisseur, toi tu vas venir ici, je t'ai déjà dit. Tu n'es pas gênant. À l'attaque! Merde. Comment ça pas à l'attaque? Non! En fait non! Oh non! Mais bougez votre cul! Passez son tour. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, ils attaquent mes archers, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que. Il est où lui? Alors lui, il va arriver plutôt vers là. Hein. Ouais, je crois bien. Hein. Attaquer ici. Ah mais non on peut pas encore. Ah mais non mais ça c'est une légion. Débarque. Bleu 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 bleu. Boum. Oh putain ça va être plus dur de prendre cette ville là. Les bananes. Oh le canon qui va se faire complètement focus. Mais il va y avoir des tonnes de dégâts. Vous allez voir ça, vous allez pas en revenir vos yeux. Vos yeux. Pas vos yeux. Vos yeux, vos yeux. Les chevaux. Les chevaux ici. Ça va être génial, la sauce intersidérale. C'est-à-dire qui va attaquer? Les trois grands éléments de la civilisation. Dégage. Colonialisme. Ah regardez ça. Boum. Promotion disponible en plus. Formidable. Allez boum. 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 Ah c'est sûr on commence à faire des dégâts. Hein. La fusilité collée. Et encore, après il n'y aura plus les murs. Maison de rencontre, qu'est-ce que c'est? Ah c'est un truc religieux. Ok. Tour Eiffel 78, ça m'arrange pas. Les espions, non, les espions. On n'a pas besoin des espions. Monarchie. 20% d'influence bonus. Non, mais je suis bien avec ma monarchie là. Théocratie, ça me plaît pas. République maritime, ça aurait été pas mal hein, pour finir cette game. Pour essayer de finir cette game. Mais en fait, non. Viens là plutôt. Ah! CD Amsterdam! Alors non, toujours pas. Parce que là, c'est ta dernière ville, tu vas être éliminé. Du coup, je dois dire que je suis un peu déçu. Bah ça, je peux le comprendre. Alors je finis, hein. Invérifiable. Je finis, 2 secondes. Ça fait 30 minutes qu'on joue, vous en faites pas. Je connais bien le mec qui stream après moi, c'est un pote. Je lui en parlerai. C'est bon, y a pas de problème. Le Fordisme.
Réparation de l'hôtel, le port, la plateforme commerciale. Texcoco, c'est vraiment une ville qui pue, hein. Vraiment une ville qui pue, là, actuellement, dans le jeu. Alors, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne connais pas cette ville. Formidable! La sauce intersidérale! Le journal de combat qui floude! Qui floude, on ne voit plus rien du tout! Et nous avons pris Tenayuka! Au prochain. Ne montrez pas vos lames avant d'être frappé! Retirez vos soldats de nos terres! Mes troupes ne font que passer! Merci. Non mais t'inquiète, mes troupes ne font que passer! D'ailleurs, Tokyo, tu pourrais me donner un peu de culture? Histoire que je sois premier au score? Ce serait pas mal. J'ai perdu ma. Quel con! Voilà! Go! Boum! Ah, mais là c'est plein, c'est gratuit, la ville est gratuite! Witsilopoktili! Pardonne nos faiblesses et les miennes, je n'étais pas assez fort pour te servir! Ouais, bon, dégage! Ouais, au revoir! Et voilà! Bon! Je possède cette île! Cette île est désormais pacifiée. Maintenant, le japonais. Bon, le japonais, le problème, c'est qu'il a combien de... 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, on n'a plus besoin de faire la guerre maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste laisser nos unités. On va laisser nos unités et on va... déjà, on va tout acheter, là. Le moulin à eau. On va laisser nos unités, donc, disais-je. Et on va les mettre en bas, là, je sais pas où, près de Nagoya, peut-être, je sais pas où. Zanzibar, on va la laisser, c'est bien. Bonne petite cité-état. On va en supprimer quelques-unes, on va garder celles qui ont de la promo. Et le reste, tant pis, hein. Donc voilà, voilà ce que nous allons faire. Alors, je finis ce tour-là, et puis après, on se casse. Le campement, non, le marché. Maintenant, on va développer le commerce, essentiellement. À moins que le japonais et l'autre se fassent la guerre. La France et le Japon se fassent la guerre, mais pour l'instant... Ça devrait aller, je pense. Je pense que ça ira. Beaucoup de promotions, évidemment, pour toutes ces unités. De toute façon, il faut les laisser, sinon après, les... Il faut se casser un peu d'ici, là, par contre. Les négociants, c'est bon. Il faut se casser un peu, parce qu'en fait, faut un peu laisser les unités, sinon après, les IA te font... Ah, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas peur d'être aussi nul. Deserting s'abonne à la Zerator Télévision. Merci beaucoup pour ton sub, Deserting. Merci à toi. Tour de siège et la légion, ouais, toi tu dors ici. Tour de siège, légion, on va aller les mettre par là-bas parce que pour qu'ils puissent enlever le Fog of War, qu'il n'y ait pas de pop de barbare de temps en temps qui arrive. Il y a un objet peut-être éthique. Je crois que c'est bon, on a passé le tour là, non? Oui, on a passé le tour. Eh bien écoutez, voilà qui fait avancer notre petite game de civilisation. Nous avons pris aujourd'hui Amsterdam et Tenayuka et de surcroît avons éliminé les Aztèques de la partie. Et maintenant, eh bien... tout se passera bien. Tout se passera bien. Il ne reste plus que la France et le Japon qui sont sur cette île. Regardez, regardez ma minimap ici en bas à gauche. Il reste ce petit continent là. Et un peu ça, vite fait. Ouais, non, ça peut être gros. Que se partagent la France et le Japon. Mais là, on est vraiment bien. Là, on est... Bon, ils nous aiment pas les deux. Mais bon, à la limite, qu'on nous aime pas aux F. Hein. On a beaucoup d'avance au niveau du score. Hein. Vous voyez là, 336. 189, 247, c'est plutôt le japonais qui est inquiétant. La France est une nation extrêmement faible, évidemment. Donc nous allons sauvegarder la partie. Steve Speedrun 250 turns, je vous rappelle. Actuellement, nous sommes au tour, je ne sais pas combien. Le tour 162, il reste 100 tours. C'est incroyable. Évidemment. C'est comme ça que les Aztèques ont disparu. Eh oui. Et ouais, en même temps, il était avec des plumes, là. On était en 1600 après Jésus-Christ. Bon, au bout d'un moment, voilà, hein. Je sais pas si on arrivera à finir jusqu'à la bombe nucléaire. Hein. Bon, mesdames et messieurs, en tout cas, voici pour la game de civilisation qui continue, qui avance. Et voilà, on a combien de villes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 villes. Pas mal. L'Empire s'étend. Il y a beaucoup d'unités, mais il y a beaucoup qui sont à la Valette, aux potes de la Valette et aux potes de Zanzibar. Au niveau des émissaires, on en est où? On est suzerain de toutes les cités-états qu'on a rencontré. On pourrait aller sur les autres. Là, en fait, ce qu'il faut que je fasse dans les prochains trucs, c'est qu'il faut que je débarque ici, que j'amène genre deux éclaireurs que j'amène, un là, et genre un ici. Je les laisse en exploration automatique pour qu'ils finissent de découvrir tout le continent. Et ensuite, on prend les cités-états, on devient suzerain des autres cités-états. Et voilà. On envoie des délégations chez les autres, on en met des ambassades permanentes, et ça va bien se passer. Grâce à toutes ces troupes tentant de te convertir. Ouais, les apôtres. Mais en fait, on s'en fout. Là, on a pris victoire uniquement
uniquement scientifique ou culturel. Mais il faudra faire gaffe, ouais. Parce que la culture, là, je suis un petit peu moins bien placé au niveau de la culture. Bon, après, tourisme par tour, c'est juste qu'ils gagnent en tourisme et moi, je gagne en culture, en vrai. Donc, on pourra peut-être remonter, je sais pas. Je sais pas. Mais après, en science, là, je suis vraiment devant, normalement. Technologie découverte, je suis à 34, ils sont à 30. On est bien devant. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve dans 5 minutes. Ne bougez pas et on va commencer la soirée. Counter-Strike, Global Offensive. Et il faudra pas oublier qu'on doit se nerf. Vous avez vu les dernières VOD ? Il a failli m'arriver des bricoles. A tout de suite. Ne bougez pas.